fait, l'histoire de mon festival photo, on vient de Vialas. À l'époque, on s'appelait À l'ombre du train. Donc, c'est une petite association qu'on avait montée. Ça se passait à Vialas, en Cévennes. Et donc, on a fait un super festival. C'était en 2017. Et donc, suite à ça, on s'est aperçu vite fait, enfin rapidement, que À l'ombre du train, on manquait de structure. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de personnes qui venaient, on n'avait pas d'hôtel, pas de camping, pas de restaurant, donc il fallait trouver un autre lieu. Donc on est allé en 2018 à Florac, où là on avait fait une première édition. 2019, on a eu le Covid, donc on n'a pas pu faire notre festival photo. On n'a pu faire qu'un festival de rue, parce qu'en fait le but de l'association, c'est de faire un festival de rue et des rencontres photographiques avec des photographes. Et donc on est venu à la Mende en 2020, où là la mairie nous a ouvert les portes et on a pu créer un festival en 2021. Donc ça a été la première édition et maintenant on attaque la deuxième édition en 2022. On a touché les subventions, on a pu créer des dibons, c'est-à-dire qu'on a mis 90 dibons le long du Lot. Et suite à ça, on offre les dibons à la communauté des communes qui va pouvoir en fait les présenter en 2022 dans l'ensemble de son territoire. Donc ça permet aussi à Mende Festival de Photo de se développer puisqu'on va être de plus en plus grand, on ne sera pas limité qu'à Mende et ça va nous permettre aussi de renouveler chaque année notre parc photo. Donc où on peut les voir en ce moment ? Alors en ce moment c'est la communauté des communes qui les a, donc je sais qu'il y a des communes qui vont faire la demande, donc je pense qu'on les verra à partir du mois de mai ou juin un peu partout dans la communauté. On va commencer par un festival de rue qui sera du 1er juin au 30 septembre, où là on mettra 16 dibons grand format, ils feront 3 mètres par 2. Et suite à ça, donc ils vont rester 4 mois le long du Lot. Et au mois de septembre, nous aurons les rencontres photographiques où là tous les photographes qui auront exposé le long du Lot seront présents et on pourra discuter avec eux et voir des photos, à peu près 400 à 500 photos.